Inna alhamdulillah, en réalité tout mérite, tout arrive, tout élose, tout reconnaissance à Allah et à lui seulement. Car Allah subhanahu wa ta'ala, sous l'existence, en deux mots, Allah, sous manifestation, sous capacité, et lui en tant que Rab, en tant que Ilah, Allah subhanahu wa ta'ala, sous wujud. Wujud veut dire sous l'existence. Lui indépendant et sous l'existence, lui obligatoire. Allah lui wajib ou wujud. Wujud veut dire l'existence, wajib veut dire obligatoire. Allah lui c'est lui qui crée l'existence. Il n'a pas besoin d'existence pour lui exister. Mais, il n'y a aucune autre façon pour nous capables d'expliquer ça, à cause de ça qu'il nous fait dire, Allah, seule existence, l'obligatoire. L'étiété, non, il n'y a pas d'étiété. Même l'étant, une créature, ça. Même place, une créature, ça. Vous trouvez la même pour imaginer. Mais comment? Pour imaginer, côté qui côté, ou dans l'autre dimension, ou créature humaine, ou dans l'autre dimension. Allah est dans l'autre dimension. Ou n'a pas pour capable dans une dimension, imagine Allah, ou n'a pas pour capable de lui une dimension, parce que ou l'existence est conditionnelle. Ou bien une place, aucune longueur, largeur, hauteur, et ou besoin d'espace, ou besoin de place, ou besoin de temps, ou besoin. Allah pas besoin d'ennier dans sa créature. Allah pas besoin d'ennier dans sa créature. Allah subhanahu wa ta'ala pas besoin de place. Allah n'a pas besoin d'étang. Bien souvent, moi, j'ai écrire une phrase pour capable de gagner et comprendre là. Nous disons Kana Allahu, Kana Allahu, Kana Allahu. Allahu, quand il y a Dhamma, quand il y a Pesh, comme Allah, veut dire l'im sujet. Allah tiété, Kana Allahu, Allah tiété. Wala Makan. Wala Makanum. Makan veut dire place. Allah tiété, place par tiété. Kan Allah wala makan. Allah le tiété, place pas si n'a pas si existé place. Ni la terre, ni les cieux, ni une place. Comment vous pouvez imaginer ça? Kan Allah wala makan, wa huwa al-ana. Al-ana veut dire maintenant, à ce terre-là, wa huwa ili Allah. Kan Allah, Allah tiété, kana veut dire to be. Allah was. La vie au passé, was. Allah was. And place was not. Passé en place. Wahu al-an, eli Allah astalala, kana, kana. Eli astalala Allah, li encore pour malitiété. Allah tiété, place pas tiété. Et à ce moment-là, Allah encore pour mal tiété. Allah lui wajib ul wujud. Wajib ul wujud. Allah lui al-hayy. Al-hayyu al-qayyum. الحي القيوم واجب الوجود الله سول اكزيستانس اوبليغاتوار لتيتي نوني باتيتي ني بلاس باتيتي تايم واز نوت ذير ميم لي سيل باتينا ميم لا تير باتينا ميم ديلو باتينا بريمي كي شوز كي لانكريدي
Quand l'un finit de créer l'eau, Allah crée ce trône, et Allah pose ce trône l'eau de l'eau, et Allah crée la plume. Allah l'eau ce trône. Thumma stawa ala l'arche. Thumma stawa ala l'arche. Si ça donne l'information, la partie nécessaire pour vous connaître, pour vous comprendre, pour vous raisonner l'eau-là, pour vous contempler l'eau-là, jamais Allah n'a pas dit pour révéler dans le Coran, ou bien Allah n'a pas dit pour enseigner ce prophète pour enseigner nous. Il faut dire qu'il est important, mais Allah, parce qu'il est créé avec un système de fonctionnement, vous fonctionnez par raisonnement, vous fonctionnez par compréhension, par les guerres et par l'âme, mais il y a un moyen pour faire vous raisonner, ou il y a un moyen pour faire vous comprendre, et ou il y a un moyen pour rendre vous conscient. Alors, toutes les informations qui sont importantes pour ce système-là fonctionnent positivement, Allah il a l'obligation pour lui alimenter ce système-là, pour lui fonctionner positivement. Alors Allah, il envoie vers vous l'information qui sortit contre lui. Voilà, quand il y a un boum, min al-amba'i, il vient vers eux, sortit contre Allah l'information, Coran. Et si ça Coran-là est révélé, c'est parce qu'il y a besoin de raisonner, ou il y a un cerveau. Et ou il y a une mémoire qui va l'information qui Allah révélé dans ce Coran-là, pas si ça tout seul, pas si c'est qu'Allah révélé dans le Coran, qui limite connaissance à Allah. Non, Allah révèle dans le Coran limite de ça qui où tu bizarre connais. Allah, ce sifat, il dépasse ce qui l'in révélé dans le Coran, ou bien ça qui l'in fait un prophète connaît, ou bien ça qui lit, il révèle dans n'importe quel livre depuis le commencement, ou bien ça qui lit, il a une garde contre lui personnel, il ne peut pas dévoiler à personne. Allah, il n'a pas de limite. Il est impensable. Ou n'a pas le droit de penser à Allah, mais comment il était. Ou pas le droit de discuter, mais Allah, côté de comment il était. Allah, il n'a pas besoin de place une créature. Et Allah, quand il élève lui le trône, jamais Allah va dire qu'il y piacise le trône. Si un quelqu'un pensait Allah piacise le trône, il pensait comment Allah piacise, il est dans grave erreur. Pas qu'il va penser comment Allah était, pas qu'il va penser donne Allah une forme ou bien donne Allah une image. Pas qu'il va. Là, on t'en dit, là. Allah, il crée de l'eau, ensuite, il crée ce trône, il met ce trône l'eau de l'eau, et Allah, il élève lui-même le trône là, élevé. Allah, il servit le mot pour élever, il dit al-istawa, istawa, istawa, thumma istawa al-arsh. Ensuite, Allah, il élève le trône là. Allah, il élève le trône là pour là, comme un ilah. Les commandes, ça qui lit et n'a dans son machiat. À cause ça, on a besoin de faire ça dans l'introduction là, pour être capable de comprendre et qu'on commence à comprendre. Par l'eau d'Allah, où elle trouvait que c'est Allah qui peut manifester lui pour faire ou comprendre. Et c'est Allah qui l'origine la connaissance, l'origine l'existence. Et dans l'existence, besoin premier avant qu'Allah crée. Allah besoin connaît. Et Allah besoin d'une connaissance exacte, besoin d'une connaissance totale, complète, une connaissance parfaite, avant même qu'il y crée. Pour créer, besoin il a une connaissance exacte, parfaite et complète. Ça a besoin dans la tête. Allah subhanahu wa ta'ala lui a sa connaissance exacte, complète, une connaissance parfaite, qui peine à moins possibilité erreur.
Allah subhanahu wa ta'ala, sa connaissance impénétrable, sa connaissance impensable, sa connaissance illimitée, sa connaissance qui n'a pas perceptible. C'est-à-dire, même où met tout l'esprit qu'il y a dans les mondes ensemble, tout le gros la tête qu'il y a dans les mondes ensemble, jamais je n'ai pas pour capable percevoir la connaissance d'Allah. Quand tout ça, l'information là, rentre devant vous, alors là, où sollicite Allah sur l'assistance, dans sa connaissance illimitée, qui peut témoigner, ou ça qui vous peut demander, dépend de la sincérité et de la mérite, et dépend de Allah sur volonté, quand vous pouvez demander. Aussi longtemps qu'il vous sincère, aussi longtemps qu'il vous sérieux, et aussi longtemps qu'il vous réellement, dans le besoin de sa l'éducation qui vous peut demander là, li binding lo Allah, li obligatoire lo Allah, qui crée ou de nature faqir, de nature un mortad, de nature un quelqu'un qui dans le besoin, quand vous pouvez demander sa petite chose là, Allah qui est dans toute connaissance exacte, parfaite, de l'intégrité de vos demandes, les binding lo Allah pour lui répondre aussi vite que possible, dépend de ce qui vous méritez, qui Allah connaît exactement. Nous avons besoin de connaître par raisonnement, comprendre par les guerres et accepter par les guerres et être conscient par l'âme. Nécessairement, indispensablement, puisque notre soumission totale de notre volonté à la volonté d'Allah dépend de sa awareness là, l'eau sa consciousness là, afin qu'il nous réalise ce qu'Allah il commande nous pour réaliser, ou aslimou là, et soumets-toi à lui. Et c'est qu'Allah demande nous, voilà ta moutouna, illa wa antum muslimoun, et on n'a pas mort excepté comme un vrai islam. Ya Rab, comment nous pour soumettre? Oh Rab, comment nous pour rendre nos volontés à ta volonté, si tu n'as pas rendu nous aware et conscious concernant ta volonté, alors qui toi et Arabe de même tiété, place pas tiété, l'état pas tiété, et toi encore été comment tu étais, de même qui wajibul wujud, de même qui al-hay, le vivant qui appartient de toi, l'existence proche de l'origine, de même qui al-qayyum, l'éternel qui jamais l'amour. L'amour pas tous lui, vieillesse pas tous lui, ni aucune défaillance pas tous lui, et Arabe, non vie, non vie. Nous pédons maintenant, fais-nous réaliser. Par le système qui donne inculqué dans nous, pour appeler nous humains, système de fonctionnement qui basait le raisonnement, fais-nous raisonner à partir de ma évidence. Fais-nous comprendre à partir de ma preuve indéniable. Rends-nous conscients et convaincus dans la réalité de ta volonté, sans de l'assistance. Réellement, il est impossible parce qu'il est loin avec nos perceptions. Donc, ta volonté là aussi, il n'a pas pénétrable dans nos possibilités. Et nous bénémoins toi, dévoile devant nous, par un système qui toi, te trouver l'imperceptible, l'impossible pour nous recevoir, dévoile devant nous, à travers ce qui donne révélé, Coran, et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur votre évidence, dévoile devant nous ta volonté. Fais-nous réaliser, fais-nous contempler, fais-nous méditer, et fais-nous trouver, par la réalité de nos systèmes de fonctionnement, la vérité de ta volonté, et fais-nous soumettre nos volontés à ta volonté. Fais-nous vivre un vrai musulman. Vive comme un vrai musulman et mort comme un vrai musulman. L'eau, ça quelques paroles là, mon frère, ma sœur, ou ça des autres, ou ça huitième session aujourd'hui, non? Huitième soyam aujourd'hui.
Alors, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonne frère, bonne sœur, nous pas encore même pas nous liger. On finit avec 8. Nous pas encore pas nous liger là. On finit avec 8. Dimanche passé, nous commençons. Et nous voilà, dimanche. Le dimanche, comment il arrive 15, Suyam, dans 2014, nos besoins commencent à s'agrin, trembler, fracasser. 7-15 de l'autre côté-là. Pas qu'à expliquer qui vitesse il y a. Là, nous commençons cause RTK, nous commençons cause I. Ça n'a pas été à nous monter pour nous arriver 15 là. Dimanche prochain, vous trouverez mon Boudjaou là. Pour faire vous rappelez aussi si vous trouvez mon Boudjaou. Et bah, le moment important, bah, le moment crucial, quand on arrive 13, 14, 15, 16, 17, là, nous pouvons expliquer ça c'est l'affaire qui s'appelle Mashiach. Là, nous mettons tout dans le train. Nous pouvons préparer l'esprit pour Allah subhanahu wa ta'ala nous sollicite. Allah fait une manifestation et nous convaincu, plus nous sincères, plus nous sérieux. Et plus nous réellement ressenti la nécessité et sa condition là, sa situation là, motive nous pour demander, pas seulement là, quand on peut cause avec ou non, quand on peut motive ou non, non, quand on touche et on sentit l'indispensabilité de comprendre la volonté d'Allah qui opérait en vous. Ou l'est ou pas l'est, ou ne connaît ou pas ne connaît, ou ne comprend ou pas ne comprend, ou sentir ou confortable avec ça ou bien ou inconfortable, toujours est-il que c'est seulement la volonté d'Allah qui opérait en vous. Ou ne rend volonté à volonté d'Allah, ou ne soumet ou bien ou pas ne soumet, ou ne montre ou bien ou ne cafard, peu importe. C'est seulement la volonté d'Allah qui est en opération en nous. Alors, il est impératif de nous rendre conscients l'indispensable, puisque nous sommes déjà là et nous, on the way back, nous déjà au chemin de retour, nous appartenir à Allah. Et nous n'avons pour retour vers Allah. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nos besoins là, pendant qu'il nous peut vivre sa vie-là, Alhamdulillah, Allah peut faire nous comprendre. Alhamdulillah, Allah peut motiver nous. Et ça, c'est une preuve qu'Allah le dit bien pour nous. Quand Allah le dit bien pour quelqu'un, Allah fait nous comprendre. Allah peut faire nous comprendre jusqu'à qui point qu'il nous peut besoin connaître. Par raisonnement, comprendre par les guerres et accepter et rendre nous conscients pour nous capables consciencieusement, réellement, rendre nos volontés à la volonté d'Allah. Allah peut faire nous comprendre jusqu'à quel point il est indispensable pour nous reconnaître volonté d'Allah qui peut opérer, pas juste dans nous, mais autour de nous. Vous connaissez ça la nuit. Ça la nuit qui nous fait traverser depuis hier soir pour venir jusqu'à grand matin. Allah, si c'était sa volonté, lui fait la nuit là, aller jusqu'à Kayamat. Ça, les jours qui nous commençaient là, la grand matin là, nous voyons jusqu'à 6h tantôt. Allah, si c'était sa volonté, je vais vous montrer où ça, Ayat, qui m'a fait dire là, là. Peut-être Sourah 28, oui. Poul, et il me dit à Dieu-Zoka, il me dit à Dieu-Zoka, Poul. Ben, tu es en sens. Alors, on lit à l'épouse. Et sur la 28, sur la croissance,
ayat numéro 71-72. Avant qu'Allah suive sa ayat là bien, nous demandons, nous demandons à Allah, oh Allah, fais-nous raisonner, parce que l'esprit là c'est deux propriétés. N'importe qui c'est faux qui nous fait, si Père Thomas Fiat, nous t'assez que nous dit. Nous comprenons qui te fait été, n'a rien pas fait été, donc on était comme un te fait. Nous comprenons qu'il n'a pas besoin d'aide de ton créature. Nous comprenons, Yara, qui de l'existence, l'obligatoire, non conditionnellement, volé Thomas Fiat, de là, nous là. Nous comprenons qu'il est vivant, qui ne fait pas même de l'existence. C'est au même créateur la vie, à partir de toi, l'origine de la vie. Et de l'éternel, le reste tout à mortel. Yara, même nous, Pézéton, nous comprenons, mais sans qu'il doit tout faire nous comprendre. Nous n'avons pas pour comprendre l'intégrité de tout ça. Et il révèle dans ce livre-là, à la limite de la mesure de l'indispensabilité de nos compréhensions pour nous évoluer dans la réalité positivement de le révéler. Allah, ce qui est ouvert pour nous aujourd'hui, quand tu commandes la plume, Allah finit de créer de l'eau, il crée ce trône, il place l'eau de l'eau, ensuite Allah, il fait istiwa. C'est lui qui traduit ça par assise de ce trône, et si vous demandez, mais écoute Allah, il est cela. Si vous demandez à quelqu'un, écoute Allah, il est cela, il n'est pas capable, tu es un musulman, tu es un croyant, tu es un croyant dans Allah, mais dans le monde, mais écoute Allah, il est. Tu veux la réponse? Donc j'ai une réponse par conviction. Allah, il est ce trône. Si vous demandez à lui, il est persisé, il peut être goûté. Si vous demandez à lui, persisé, il fait grave erreur. Allah fait istiwa. Istiwa de ce trône. Istiwa qui veut dire, il est élevé de ce trône. Et quand il demande Imam Malik et Imam. Mal istiwa, qui est ça istiwa? Nous t'en disons qu'Allah est de ce trône, il fait istiwa. Il est élevé de ce trône. Il y a Imam Mal istiwa. Imam là répond en quatre phrases. Il veut dire, Al istiwa ma'loumun. Nous connaissons Allah et l'Évli. Ma'aloum, mais ça connaît. Wal kaifu majhoul. Comment il est l'Évli, pas connaît. Wal imanu bihi wajibun. Nous gagnons la formation là, les concerne Allah, nous obligeons avec l'Iman. Wassou al anhu bid'ah. Pose question. Comment ça est arrivé? Pas gagné droit. Un bid'ah. Dans l'époque Rasoul, Rasoul Pen Pierre pose question concernant comment Allah il est élevé. Et aujourd'hui, il concerne les affaires Aqida, ça. Aqida. Aqida veut dire conception. Conception liée avec Iman. Et Iman est la conception d'Iman, compréhension. Sans qu'on comprenne comment comme Iman. Et on peut dire, oh, mon frère, mon sœur, majorité du monde, peine comprendre sa réalité-là. Allah fait insaf. Mais on demande à Allah avec Gaïraham pour sa majorité du monde, qui malgré ce peine comprend, mais ça la crème ou ton iman là, puis motive seul pour se payer à toi. Puis motive seul pour se obéir à toi. Puis motive seul pour se demander toi, pour se demander pour toi. Yarab, je te compte en toi, même je dans l'ignorance. Et toi, ton raham, lui dépasse ton colère. Gaïraham pour nous et enseigne-nous, fais-nous connaître, fais-nous comprendre et fais-nous faire ton ibadat. Avec awareness, avec consciousness, avec connaissance, avec compréhension. Donc, j'ai demandé, Allah, vous pouvez demander toi. S'il y a quelqu'un qui n'a pas demandé, ferme le doigt à boule pour lui aussi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah, il est élevé, oui, nous le connaît. Bizarre l'Iman, l'Ola, qui a l'air élevé de ce trône. Et comment pas connaît. Et il n'a pas posé question comment. Qui fait toi, te limiter, Allah lui donne l'autre dimension. Toi, ton business time, si Allah lui fait toi gagner birth, birth, business te prend naissance. Lui donne toi time. Léala, quand Allah donne toi birth et time, Léala, tu gagnes life, Léala, tu vives. Si tu gagnes birth, tu gagnes naissance, without time. Mais tu death, en place de mots, you need time. Allah does not need time. Allah n'a pas besoin de temps. Toi, tu as besoin de temps. Tu as besoin de place. Quand tu as besoin de naissance.
J'avais donné une place. Allez là, pas besoin de place. Allez là, pas besoin d'état. Donc, de l'esprit, pas pour capable, imagine Allah. Allah dans l'autre dimension. Et Allah, l'infersoyam, l'infersoyam, pour y amener toi dimension après dimension, dimension après dimension, et la dimension fait tahajjud, et la dimension fait un amal, il arrive dans les autres dimensions. Attention, vous êtes mal compris quand vous allez prononcer amal. Parce qu'il ne peut pas faire amal. Excuse-moi l'expression, imbécile. Il ne peut pas faire amal. Tu n'es limite toi, ça aussi, mais besoin de plaindre avec toi, mais besoin de motiver toi, pour soi avec toi. Pour un petit dit namas de faire ça, cinq clair là aussi te manquer. Et là, tout le monde peut faire beaucoup en mal. Et Allah, Allah, il fait nous connaître. Et là, tout le monde fait sa quantité en mal. À part de namas faraz, vous êtes invité là, il rapproche avec moi, avec ma faraz, qui m'a mis de faraz au lit. Sa quantité à les rapprocher, et les continuer à rapprocher avec Ban Nafil, avec Ban Sunnat, Ban Nawafil, les rapprocher jusqu'à moi, Movin, se liser avec qui il était. Movin se liser. De trouver Allah où les amène-toi dans les autres dimensions. Toi qui peux rester à l'arrière. Tu peux limiter-toi avec Faraz. Sa Faraz là, tu es obligé de même faire. Sa Faraz là, tu es obligé de même faire. Moi, mon besoin plein de saut avec Allah pour dire Yarab. Shaitan fait moi une paresse dans Ramadan. Je trouve les temps pour aller de football, on va tous les temps pour faire tahajjud. Je trouve les temps pour qu'elle se pose dans le principe, pour qu'on se cause inutile. Alors que dans Ramadan, un sunnat qui a évalué un faraz qui a évalué 70 fois plus. Un harf, alif, lam, mim, trois harf. En dehors de Ramadan, tu gagnes 10 récompenses. Dans Ramadan, tu gagnes 10 fois 70. Mais pas toi-même qui roule de malheur, ton vie qu'on a là, rentre dans ma dimension, fais un affil, rapproche-toi avec Allah. Si dans la bonne, tu n'as pas des troubles, l'importance pour faire un affil, quand l'infini bloque, pas de gros chéricole, il met dans le fond la mer, avec tout le monde bien les temps. Si dans la bonne, quand un affil sur Valère, il valait une phalange, mais comment vous causez toi pour faire un contrat qui te rappe bien dans toi pour l'accueillir, toi. Te rappe bien dans toi. Pour les purifier, toi. Besoin de purifier beaucoup. Impureté de l'esprit, de l'équerre, de ton âme. Pour te rapprocher avec sa être qui voit qui boule wujud. Et qui lui-même, là, on peut rappeler un ayat courant qui trouve dans, si vous référez, surah 24, ayat numéro 21, surah 24. Ayat numéro 21, comment Allah me dit, subhanallah, surah 24, ayat numéro 21. Surah 24, ayat numéro 21. Vu sur l'importance qui est autour moi, oui. Ya yuhalladina amanu iman kina iman, la tattabiru khutuwati shaytan, na basriban pa shaytan, wa man yattabia khutuwati shaytan, fa innahu ya'muru bil fahsha. Et n'importe qui s'en a parmi vous qui suivent pas shaytan, en vérité, shaytan li commande ou avec l'immoralité ou le munkar, et le mal. Wa laula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu. Et s'il n'a pas dit Allah sa faveur, sa grâce le haut, Allah sa bénédiction le haut, mazaka minkum min ahadin abada, personne jamais parti pour gagner la purification. Personne jamais. Sur l'esprit parti pour nettoyer, sur l'idée tu pourrais être impur, sur âme tu pourrais être impur. Voilà, bin Allah a yuzakki man yasha. Mais Allah est purifié, c'est lui qui voulait. Wallahu sami'un, Allah peut écouter de ma vie. Ou Allah purifiera. Ça qui purifie Allah. Avec toi, je m'en Allah peut oulé purifier toi. Les biens font toi. Sans son faveur, sans son grâce, jamais personne ne va vous gagner la purification. Et tout en dit, tu vas demander d'où. Il dit, attends, non, vous pouvez toi. Moi, je fais ta bonne là. Moi, tout seul, moi, purifier, c'est lui qui m'aulé. Moi, dans tout. Mais tu vas me demander. Moi, dans tout. Mais tu vas me demander. Ça m'est en aligne. Moi, je connais même, tu vas demander. Mais tu l'as assis dans le coin. Tu bloqué dans le coin. Tu l'équerre, tu vas demander. Son papier sorti. Tu l'équerre de l'esprit. Il est connecté avec moi. On peut trouver que dans la nécessité de la purification, tu as envie de comprendre. Après que mon purifié, tu as parlé de toi. Maintenant, tu devines. Et les dimoules. Tu veux dire, les dimoules en Claude. Éligible. Te qualifier
pour me dévoiler ma volonté à toi, jusqu'à tel point qu'il me fait toi l'ordre de liser dans ton cœur, te rendre de volonté et te sentir toi, te sentir comment tu peux soumettre totalement à la... Vous connaissez un musulman, un frère, un soeur? C'est un état d'esprit, ça. Sur l'esprit, sur les guerres, les sentir libre, les soumet totalement, les n'est plus libre. Il faut arriver, on a confiance. Si Allah amène nous jusqu'à 8e explication, et Allah amène nous jusqu'à 15e explication, Allah pour faire nous, vin sa vraie musulman, le moment qu'il nous demande. Wallahu sami'un, alimun, Allah dit tantou, et Allah dit kontou. L'amour est retourné le nom, si j'ai, qui a l'aide choisir pour nous dans nos radars et d'écrire, avant même qu'Allah crée la terre et le ciel. Pas qu'on crée la terre et le ciel. Troisième petite chose, il crée la plume. L'état infini élève lui le trône comme un rab, maître, propriétaire, comme un l'autorité suprême. Il crée kun, il crée la plume. Et dans la plume, il vient dans l'existence, Allah dit Oktubia Qadam. Écrire à tes plumes. Madame Toubia Rabbi, Allah donne la plume pour voler la parole. La plume répliquée, il dit, oh mon maître, qui m'a pour écrire? Oktoub ma kadir à la chia, écrire takdir tout qui plume écrire, commencer. Écrire. Arrive 2014, c'est le meilleur concours vivant. Un tel concours vivant. Un tel pour dans Ramadan. Un tel pour ouler. Vous me trouvez dans ce lintel. Plume écrire tout, bout par bout. Plume écrire. Et dans Plume fini écrire, livre fermé, langue insecte, Plume inlevé, livre, Adam appelle Oumoul Kitab. Attention, l'année prochaine, quand vous faites explication, vous dites maintenant, ça livre original, là, comment appelle. Tout le monde a l'habitude de rentrer un musulman, Allah, l'histoire vivante, il donne pas l'éducation là, il donne pas de mémoire. Il donne pas de mémoire. Pas de Dieu qui met gold, tout le monde a non. Livre original, tant qu'il a ton nom. Par contre, livre là, Oumoul Kitab, vous m'appelez Oumoul Kitab. Oumoul Kitab. Est-ce qu'il y a là une capacité? Est-ce qu'il y a là un pouvoir? Est-ce qu'il y a là parfois il effacer ou bien il confirme? Oui! Oui! Yamrullahu wa yuthbit. Allah lui effacer, c'est qu'il y a dans le livre là, et lui confirmer. Et il y a une Layla. Pas Layla qui est au courant là, Layla tout le cadre. Et n'a pas la m'appelle? Ah, mais c'est quoi Layla qui te compte en Layla Majnou? Layla tout le cadre, Pévini là. Et n'a Layla tout le cadre, la nuit des Qadar, à Pévini là. Vraiment tout sérieux? Vraiment ton vie rapproche avec Allah? Vraiment ton vie rentre dans une autre dimension? Layla Pévini. Qui Layla? Layla tout le cadre. Et n'a anzalnahu. En vérité, nous révélons ce Coran là. Fi laylatil qadr, dans la nuit du qadr. Wa ma adraka ma laylatil qadr. Et qui s'en n'a qui vous fait pas connaître qui était laylatil qadr? Qu'est-ce que tu fais 8e? Mais finis avec toi l'oreille pour atterrir. Laylatil qadr, ça l'année là, tu obliges à gagner. Par ma chiat Allah, ok? Pas toi, même toi, tu fais tous les efforts du monde. Tu n'as pas pour gagner. Mais si Allah sa volonté, te sollicite Allah sa volonté, Laylatul Qadr est khayrun min alf shahr. Les meilleurs qui mille mois veut dire près 83 l'année ibadat acceptée par Allah. Qui te gagne pas mort ça là, si tu l'esprit beau, si tu le cœur beau, et ton corps vivant, tu gagnes pas mort Laylatul Qadr là, aucun football de ma vie, ok? Tu manques Laylatul Qadr, tu vas monter. Depuis le 8e, tu peux finir motif, toi là. Ça l'année là, ce Laylatul Qadr, on aura porté ma chiat, fais nous gagner. Allez. Warabbuka, là, vous pouvez lire ayat numéro 69. Vous lire ayat 68 avant. Warabbuka yakhluquma yasha'u wa yakhtar. Allah crée ça qui est dans sa volonté. Et il choisit ça qui lui ou lui. Ma kana lahumul khiyara. Personne parmi eux n'a aucun choix à faire. Ça, autant la peine, connaît ça. Vous voyez, moi, patinant dans l'intention, il y a un tout compte très bien. Patinant dans l'intention, c'est toi qui inspire moi là, c'est là, ça ayat là. Le mot papier pénal, ça ayat là, il y a un. Papier là, tu comptes toi avant, après, là, tu me révèles, il y a un. Patinant dans le mot papier pénal, ça ayat là. Mais c'est Allah qui inspire moi pour mettre ça devant eux, quand on peut expliquer ce qui m'ont mis le tableau là.
Lunia Allah, qu'est-ce qu'il dit? Warabbuka yakhluqu, sourate 28, ayat numéro 68. Warabbuka yakhluqu ma yasha'u, Allah crée ce qu'il a dans son volonté. Wa yakhtar, et lui choisir. Ça n'a qu'il choisit toi pour bénéficier. Réponds! Allah, il peut dire que mon père est toi là. Ça n'a qu'il choisit le père pour madame. Ça n'a qu'il choisit un tel pour finir mort avant Ramadan. C'est là qu'il choisit toi le 8e Ramadan de Boutam tout ça là-là. Est-ce qu'Allah te connaît de là-là? Mais normal. Il choisit toi, il peut témoigner que c'est là qu'il choisit Pharaon. Pour lui dire Pharaon. Allah. Oui, attends, lui qui choisit. Ma gana la boumoul khiyama. Personne peine dans un affaire choisir. Il n'est pas pour ça, il n'est pas autre affaire ça. Allah qui choisit. Qu'est-ce que Jésus là? Ah, est-ce qu'il y a là qui a choisi toi pour vivre dans l'époque Adam? Alayhi salam, mais oui! Mais qui c'est là qui a choisi toi pour vivre dans l'époque Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Et a dit donc, Khayra ummatin, meilleur ummat. Allah, après qu'il ait créé toi, alors il a choisi toi pour vivre dans l'époque de l'ummat de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et qui fait sa parole dans la tête, qui Allah a choisi toi pour gagner sa ilam, sa connaissance, sa compréhension qui te peut gagner là. Et Allah, lui peut vouloir mettre toi à l'épreuve. Ça aussi, c'est qu'il peut dire toi là. Allah même une soirée toi pour t'en dire, pour comprendre. Il peut mettre toi à l'épreuve à partir de sa connaissance. Qui lui peut donner les autres. Lui peut donner les autres. Qui fait toi pas réagir. Qui fait toi pas réagir. Comment tu veux réagir? On a toi des personnalités qui a l'un d'eux une connaissance qui peut donner les autres. On appelle Daoud alayhi salam, on appelle Suleiman alayhi salam. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ Si on va faire surah 27, ayat numéro 15. Si on va faire surah 27, ayat numéro 15. Mouliani dans l'Ivat, il dit devant toi surah 27, c'est surah Namal, ayat numéro 15. Si on va faire exactement. Ayat numéro 15. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا Nous n'avons Daoud avec Suleiman, alayhi wa salam, une connaissance spéciale. Par exemple, tu peux gagner une connaissance spéciale qui les autres n'ont pas gagné, Mashiatullah. Tu peux gagner une connaissance spéciale, car Allah ou Allah Makan, ou Al-Ana Kamakan. Tu peux gagner une connaissance et par rapport à sa connaissance qui a même choisi pour toi, quel doit être ton comportement, ton réaction. Nous donnons une connaissance spéciale. Wa qala, tous les bénéfices. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين تعريف إلوس بو الله كين بريفير نو كين فير فابير دو نو بليس كي بان لي زوت مؤمن اتون سي تو مال سيزي بان نو سي مؤمن مي تو تو نغاي فابير الله ان تي بي بليس تو بي غاي ان ليديكاسيون تو بيان دي الحمد لله ما شاء الله سا سي تو كومونس فيف كوم سا avec te ressentir Allah sa présence. Donc vous rapprochez avec Allah. Jusqu'à tel point, Allah dit, mon banda, les beaucoup, tu y rapproches pas. Les rapproches avec moi, avec Banfaraz. Et ensuite, il dépasse Banfaraz, il fait Bannafil, il continue à faire, continue à faire, continue à faire. Il rapproche avec moi, jusqu'à Moumin Solifi avec qui il trouvait. Ce serait avec qui il tendait. Ce lamé avec qui il attrapait. Et ce lipier avec qui il mangeait. Livin N, mon camarade, c'est lui qui oppose lui, me déclare la guerre avec adversaire. Qui qualité, possibilité, Allah il nous fait devant toi. Qui qualité, l'honneur de Nakut Torab. Ton coup est imanda, pense au Mashiyat. Ton coup est islam, pense au Mashiyat. Et ton coup est ummat pour son habib. Zouzi nous pose traduire ayat là et nous pourrons dans l'explication avec Ayman Zoukimini. Subhanallah wa ta'ala amma yushrikoun. Allah n'a aucun défaut et il est très haut de ce qui va n'a pas associé avec lui. Wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu sudurhum. Allah et ton Rabb là, il connaît ce qui va léguer à contenir. Wa ma yu'linun, ce qui va léguer à tasser à l'intérieur et ce qui lui dévoiler à l'extérieur. Wa huwa Allahu, et c'est lui-même Allah, la ilaha illahu, pena aucun ilah excepté lui. Personne peut la divinité excepté lui. Lahu alhamdu fil oula wal akhira. À lui le mérite,
louange dans Salomon-là et dans le monde éternel. Voilà où le hukm, à lui la législation. Et vers lui se tenant pour retourner. Il y aura pas l'ambition. Ça, l'important. L'important, là, pour ce type. Araïtoum, est-ce que vous finissez réaliser? Injala Allahu alaykumul layla sarmadan ila yawmil qiyama. Si Allah fait la nuit, reste à la même la nuit jusqu'à ce que Yaman. Man ilahin ghayrullah. Qui est le ilah qui n'a à part d'Allah, yaktikum bidouyahin, pour mettre la lumière des oubous. Diazot, en deux mots, fais le temps de ça, et quand je me tente de réunir avec votre cerveau, fais le raisonner, est-ce qu'il se peut réaliser? Si Allah fait la nuit, reste la nuit jusqu'à Kayaman. Man ilahim ghayrullah. Qui ça il a à part d'Allah qui est capable, yaktikum bidouya, pour mettre la lumière du jour pour eux. Afala tasmaoun, est-ce que vous pas entendre? Est-ce que vous pas écouter? Deuxième ayat, ayat 72. Qul araitum, in ta'ala Allahu alaykum un-nahara sarmadan ila yawm al-qiyama. Si Allah lui fait le jour, reste le jour. Constamment, perpétuellement, les jours, allez, jusqu'à Kayamat. Man ilahin ghayrullah. Qui ça ilah? A part d'Allah, yaktikum bilaylin taskununa fihi, qui vont capables de mettre la nuit là-dedans, et la nuit, qui vous capable de gagner tranquillité ou à reposer. Afala tout au siron, est-ce qu'il ou pas observer, ou pas guetter, ou pas trouver? ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار et parmi ce bon faveur de faire la nuit suivre les jours alors qui ou capable gagne tranquillité ou reposer et ou capable alors ou rosy en ce faveur ça ban ayat là beaucoup important pour contribuer dans le système de fonctionnement faire ou raisonner. Et par Allah, quand vous pouvez raisonner, vous pouvez demander à Allah son assistance, Allah faire ou les guerres comprendre, Allah faire ou les guerres soumettre. Vous connaissez quand on assise ou réfléchit. L'instruction qu'Allah de nous dans le Coran. Ou réfléchit positivement, ou pécher à la compréhension. Ou pouvez ou les soumettre. Pas réfléchir pour les autres affaires, pour bien savoir, c'est pas qu'il était non. Réfléchis positivement en cherchant la compréhension des bonnes réalités et vous pouvez les soumettre. Rapproche avec Allah, un pas qui vous fait Allah faire 10 pas. Ou manger Allah galoper. Bonne frère, bonne sœur, moi-même, personnellement, la base de la connaissance, la compréhension qu'elle donne de moi, mot. Premier, remercier Allah, subhanaka, la ilma lana illa ma'allamtana, honorable de bien aucun défaut, concernant connaissance, mon pas possède non, excepté ce qu'il doit te donner. Honorable, moi-même, mon père trouve drôle, niveau l'éducation qu'Allah fait de nous, dans sa ramadan. À nous dire ensemble, pareil comment, Daoud alayhi salam, avec Suleyman alayhi salam, ce doigt qu'il nous dit, Alhamdulillah, il l'a dit, Alhamdulillah, il l'a dit, Fadalana, ala, kathirim, min ibadihi al-mu'mini. Encore, Alhamdulillah, il l'a dit, Fadalana, ala, kathirim, min ibadihi al-mu'mini. Masha'Allah, la quwwata illa billah. Encore, masha'Allah, la quwwata illa billah. Encore, masha'Allah, la quwwata illa billah. Mourez ou vivre avec ça et ou mourir avec ça. Alhamdulillah, masha'Allah, la quwwata illa billah. C'est lui qui peut dire sa parole-là avec connaissance, avec compréhension. Qu'est-ce que ça veut dire, masha'Allah? Telle est la volonté d'Allah. Je suis encore vivant. Telle est la volonté d'Allah. J'ai appris quelque chose aujourd'hui. I learned something today. This is the will of God. This is the will, the divine will. Telle est la volonté d'Allah. Je ne récite pas, on arrive à la case. Masha'Allah.
C'est lui qui vit avec ça. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, tout petite chose, Allah il crée positif, négatif. Dans tout petite chose, il y a positif, négatif. C'est lui qui dit souvent, Masha'Allah, la quwwata illa billah, Allah prend sens tout négatif, fait lui jouir seulement positif. Rendez-vous demain, Inch'Allah, nous en bas, l'eau, ça va l'explication là, un petit peu plus devant. Nous remercions Allah et nous demandons à Allah qu'Allah fasse une vie sincère, honnête, sérieuse. Qu'Allah donne-nous une meilleure affaire. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Alors nous rappelons, mon frère, aujourd'hui, ça cause dimanche, et nous